français de l'eau, il est réputé dans le monde entier. Et pour conforter son leadership, les acteurs de la filière se sont regroupés au sein d'une confédération professionnelle pour pouvoir anticiper les nouveaux enjeux de la gestion de l'eau. Les enjeux nouveaux, ils sont connus. Stress hydrique, changement climatique, nouveaux polluants, mais aussi au niveau plus local, entretien et réhabilitation des canalisations. Il y a donc besoin de solutions techniques nouvelles pour cela. Et ensemble, la filière va les construire et espère de l'État l'aide des moyens de financement de l'innovation, de la formation, les moyens d'aide à l'export, les moyens de soutien aux entreprises pour pouvoir construire ces nouvelles solutions et conforter le leadership mondial de l'École française de l'eau. L'enjeu de cette filière l'eau, c'est de pouvoir adresser les multiples défis auxquels elle fait face. Un défi qui est l'exportation, je l'ai dit. Un deuxième défi qui est de trouver de nouvelles solutions en innovant et en construisant un avantage compétitif, et que ce soit autour de comment résoudre les problèmes de fuite, comment anticiper la maintenance prédictive. Et puis, le quatrième enjeu qui va être autour de la croissance des PME, pour les faire grandir et devenir des entreprises de taille intermédiaire. Cinquième enjeu, énorme enjeu, celui des compétences. Et donc là, il faut créer des formations avec des emplois à la clé en sortie de formation. C'est tout le travail que fait la filière aujourd'hui.